Bonjour les pluches! Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la première sur une série de 4 vidéos parce que, en effet, je ne suis pas seule, je suis avec Cécile et nous allons lui faire des vêtements. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une série de 4 vidéos, donc là je vais vous montrer un premier élément de sa tenue, mais au total il y aura donc la tenue au complet et 2 accessoires. Le dernier, j'espère qu'il va vous faire rire. Aujourd'hui je vais vous montrer comment lui réaliser un bas, donc je suis partie sur une jupe et donc je vais vous montrer comment la faire. C'est relativement simple, je commence pas par la vidéo la plus compliquée, ça vous donne un petit aperçu et ça vous donne aussi, je suis partie dans un truc très coloré, j'ai envie de vacances, donc vous allez voir que je suis partie dans un truc moi qui me fait penser aux vacances. Donc première étape, déjà moi j'ai choisi mon tissu, j'ai pris du wax quand je vous disais que j'avais envie de partir en vacances. Je suis partie après sur un élastique noir, comme vous voyez, noir à paillettes parce que c'était plus girly, donc on va partir là-dessus. Donc j'ai pris Cécile, j'ai mesuré son tour de taille pour le haut de la jupe. Donc ça c'est pas très compliqué, il vous faut juste du coup mesurer un tour de taille. C'est exactement la même chose si vous faites une jupe à vous. Et ensuite, pour la partie de wax, j'ai pris le double. Pourquoi? Parce que je vais faire une jupe un petit peu plissée. Donc j'ai pris le double plus un petit peu de marge pour la couture. Donc la première étape que je vais faire, c'est commencer par l'ourlet. Donc je vais faire un petit ourlet. La hauteur, vous choisissez comme vous voulez. Hein. Moi j'ai pris une hauteur pas ras des fesses quand même, parce que Cécile elle est pas comme ça. Et on va pas lui faire non plus une jupe longue, donc j'ai choisi la hauteur qui m'allait le plus. Donc là, je vais faire un petit ourlet et je vais commencer à coudre, donc ce sera pour le bas. Donc première étape. Voilà, du coup mon ourlet est terminé, donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre mon élastique, je vais plier ici pour avoir mon milieu, donc mon milieu il est là, je vais faire exactement la même chose avec mon élastique, donc mon milieu il est là et je vais le mettre endroit contre endroit, je vais vous montrer, comme ceci, et en fait du coup je vais faire des plis de part et d'autre. Je vais faire plein de plis, plein de plis, plein de plis que je vais marquer à chaque fois, et le but c'est que je me retrouve avec ici mon bord à bord, et donc je suis endroit contre endroit, ce qui fait que quand je vais relever, je vais avoir ma couture et je vais avoir mon élastique en haut. Donc on va faire cette étape là, donc je vais épingler, et après en fait il va juste rester à faire notre couture ici pour refermer la jupe, et la petite jupe sera prête. Donc là je vous avais dit, je commence très simple pour le bas. Et voilà, du coup, je vous montre les coutures. Vous voyez, j'ai donc piqué et surfilé pour que ça soit plus propre. Donc là, on a de l'autre côté, si je vous montre, la petite jupe comme ça avec notre élastique en haut. Donc nous, on va continuer donc endroit sur endroit. On va épingler ici et coudre. Et j'oublie pas de surfiler, surtout pour que ça fasse une belle finition et que ça ne s'effiloche pas. Et notre petite jupe est terminée pour notre première vidéo. Et voilà, du coup j'ai terminé donc ma couture pour ma jupe avec, je vous montre, la partie surfilée en haut. Et donc j'ai juste en fait à la retourner. Et j'ai ma petite jupe pour Cécile, donc qui s'enfile grâce à un élastique. Et voici la petite jupe pour Cécile. Donc avec les petits plis, donc devant ça fait un pli plat en fait, parce que comme j'ai pris de chaque côté. Et voilà. Donc première étape, vous voyez, la petite jupe. Je vous remercie d'avoir regardé cette donc, première vidéo sur 4. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez envie de voir la suite. Moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la prochaine étape de la tenue de Cécile. Et n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait.